Amen. Hallelujah. How do you give to the Lord? Comment donnez-vous au Seigneur? Amen. Nous avons ce parcours que nous faisons. Nous avons vu ce parcours que nous avons fait. Oui. Mon cœur, c'est parce que nous devons marcher avec bon Dieu. Et je crois que c'est parce que nous voulions marcher avec Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit c'est le parcours que j'ai fait. Et peut-être que certaines personnes disent que ce parcours que j'ai déjà fait. Il y a des bagages que j'ai demandé et que je retrouver. Il y a des choses que j'ai déjà demandé et que je n'ai pas reçues. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas fait le parcours avec nous. Et peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas fait le parcours avec nous. Et qui disent depuis me converti. Et qui se disent que depuis ma conversion, j'ai donné au Seigneur. Et mon pourquoi ça ouais qui ça a fait dans moi. Et je ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Mais moi je vais poser une question. Mais je veux vous poser une question. Comment êtes-vous capable pour bon Dieu? Comment donnez-vous au Seigneur? Comment êtes-vous capable pour bon Dieu? Comment donnez-vous au Seigneur? Eh bien, pas pour bon Dieu, c'est simplement. Est-ce que donner au Seigneur, c'est simplement? En main de planter au jardin. Une façon de planter un jardin. Et donc la façon dont tu plantes ton jardin, c'est comme ça qu'il est levé. C'est comme ça qu'il sera. Et si tu as mal planté, et si tu as mal planté, tu ne vas pas avoir la récolte que tu t'es supposé avoir. Donc si ou pas une bonne récolte, donc si tu n'as pas une bonne récolte, pose-toi une question ce matin. Pose-toi cette question ce matin. Pose-toi une question ce matin. Pose-toi cette question ce matin. Maintenant, est-ce que c'est vous? Et demande-toi, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Qui n'a pas qu'à faire ça, même pour faire? Qui ne fait pas ce que je dois faire? Est-ce que j'ai mal planté? Est-ce que j'ai mal planté? Parce que sous-planté, parce que si tu as planté, on pourrait récolter. Tu vas devoir récolter. Donc, question c'est. Donc, la question est la suivante. Comment vous capable de comment est-ce que tu donnes au Seigneur? Il est important, mes amis, avec toute bénédiction. Il est important, mes amis, que dans toute bénédiction, il y a des sacrifices pour les faire qu'il faut. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et oui, parce que si on ne peut pas faire un bon sacrifice, car si tu ne fais pas un bon sacrifice, en bonne manière, une bonne manière, et même devant mon Dieu, devant Dieu, sacrifice n'a pas qu'une valeur. Ton sacrifice n'aura pas de valeur. Donc, moi, je veux évaluer. Donc, je veux que vous évaluez. La manière ou capable. La façon dont vous donnez. En 8 points pour matin. En 8 points en ce matin. Nous gardons première. Donc, nous avons vu le premier. Giving out of your surplus. Donc, donner de votre surplus. Et la Bible peut nous montrer l'histoire d'un verbe. La Bible nous parle de l'histoire d'une veuve. Il venait juste après Jésus-Christ parler de certains points importants. Elle est arrivée juste après que Jésus ait parlé de certains points importants. Il mettait nous en garde des doctrines, ces scribes-là et ces pharisiens. Il nous a mis en garde de la doctrine des scribes et des pharisiens. Qui aime s'habiller avec l'homme robe. Qui aime s'habiller de l'homme robe. Qui aime le monde royal. Qui aime se faire voir des autres. C'est moi qui chef. Je suis le chef. C'est moi qui tête. Je suis la tête. Et même mon salier. Yo. Et qui aime se faire saluer. Grand scribe. Le grand scribe. Grand rabbin. Le nom les noms sont importants. Et nous vivons dans ce temps. Et nous vivons dans ce temps-là. Tout le monde veut venir en gothique. Les gens veulent avoir, tout le monde veut avoir un titre. Et Jésus-Christ parle de notre point 39. Et donc au verset 39, Jésus parle d'un autre point. Ces gens-là aiment les places qui plient haut. Ces gens-là aiment les places qui sont les plus haut placées. Ils veulent mon cabello. Ils veulent être vus des autres. Oui, il parlait de leur chef. Il a parlé des chefs. Mais ils ont eu un problème. Mais ils avaient un problème. C'était des gens qui devaient dévorer les veuves. C'était des gens qui dévoraient les veuves. Et oui, dévoraient la maison de ces gens-là. Ils dévoraient la maison de ces gens-là. Et oui. Et ils ont aimé faire une longue prière pour comprendre qui me dit communion au nom de mon Dieu. Et ils aimaient faire de longues prières pour montrer à quel point ils étaient en communion avec Dieu. Mais communion avec bon Dieu pas qu'à tes bonnes. Mais ta communion avec Dieu ne dépend pas de combien de mots tu peux dire dans ta prière. Non. Toi, tu
pauvre qu'elle était. Oh, Jésus-Christ est connaître. Jésus-Christ l'a connu. Pour Dieu te connaître. Dieu l'a connu. Donc, tu comment passe après-midi, mon matin? Donc, je te dis en ce matin. Pauvre qu'on pense. Peu importe à quel point tu penses. Pour Dieu connaître. Dieu te connaît. Garde le monde à côté. Regarde quelqu'un à côté. Elle est une pauvre car on casse tout pauvre. Et Dieu a dit, peu importe à quel point tu te sens pauvre. Pour Dieu connaître. Dieu te connaît. Et pour Dieu connaître sacrifice. Et Dieu connaît tes sacrifices. Sacrifices sont pas qu'à aller en vue. Tes sacrifices ne sont pas en vain. Sans capable, pas qu'à aller en vue. Ce que tu donnes ne va pas en vain. Mais ça dépend de quel motif qu'a on dit l'on t'a fait. Mais tout dépend des motivations que tu as quand tu le fais. Oh, alléluia. Moi, j'arrive dans la pile d'église. Je suis déjà arrivé dans beaucoup d'églises. Et qu'il y a un homme qui a dit la monnaie jaune, papa et mon Dieu. Et qui disent qu'il ne faut pas donner au Seigneur la monnaie jaune. Si on est là, on est dans un verre de là. Et si c'était là, il vivait autour de cette feuille. Peut-être c'est pas, j'étais le gars, ou pas digne de mettre offrande parce que la monnaie là, pas qu'à faire sens. Peut-être qu'il n'aurait pas simplement jeté la veuve, mais qu'il l'aurait rejeté pour lui dire que tu n'es pas digne de mettre ton offrande parce que ton argent n'a pas de sens. Il est important pour savoir comment qu'on capaille pour Dieu. Mais il est important de se voir, de savoir comment tu donnes à Dieu. Alléluia. Jésus a fait la remarque. Et Jésus a fait la remarque, on a vu. Oh oui, mais Jésus, parce que Jésus toujours a gardé qui me donne la capacité. J'aime Jésus parce qu'il me montre toujours comment se passent les choses. Et oui. Et qui assise là, qui a gardé mon métier. Et il s'était assis à regarder ce qu'il était. Un pile pasteur, quand il aimait, ouais, c'est mon âme qui te mettre ses plus gros offrandes. Et beaucoup de pasteurs auraient aimé voir les personnes qui mettaient les plus grosses offrandes. Et il a dit, l'éternel qui bénit richement. Et ils auraient dit, l'éternel va te bénir richement. Parce que nous avons hésité de têtes qu'on plus paye plus que mon Dieu qui bénit. Parce qu'ils allaient réciter des versets qui disent que plus tu donnes, plus Dieu va te bénir. C'est vérité. C'est la vérité. Mais comment qu'as-tu fait? Mais comment as-tu fait ça? Avec quel esprit qu'as-tu fait? Avec quel esprit as-tu fait ton nom? C'est ça qui compte. C'est ce qui compte. Et regardez, et qui voit une autre pauvre veuve. Et donc il a regardé, il a vu une pauvre veuve. Vous imaginez dans ton nom, la bonne décence. Et vous imaginez dans notre temps que vous avez simplement 2 centimes. Bien souvent. Et il y a des gens dans l'église qui n'ont pas mettre l'offrande. Et donc bien souvent dans l'église, il y a des personnes qui ne mettent pas l'offrande. Parce que là, ils regardent leur poche et ils regardent 10 cents. Parce qu'ils regardent dans leur poche et ils voient simplement 2 centimes. Et qu'ils rentrent pour déplacer pour mon ouais, c'est 10 cents qu'ils ont mettre. Et donc ils ont honte de se déplacer pour que les gens voient qu'ils mettent simplement 2 centimes. Mais si on a un bel billet 20, et mon bel billet 50, et mon bel billet 100. Mais si tu as un bon billet de 20, ou de 50, ou de 100. Et mon bel chèque. Ou bien un beau chèque. Ou bien marcher avec style pour venir dire. Tu vas marcher avec style pour pouvoir le déposer. L'homme marche avec style pour venir mettre. Et quand tu vas marcher avec style pour déposer ton offrande. L'homme te déposer. Ou te déposer comment? Quand tu vas le déposer, comment vas-tu le déposer? C'est mon talent, c'était yo by à surplus. Et donc ces gens-là, ils ont vu qu'ils sont donnés de leur surplus. Comment? Nous, nous avons dit surplus. Et donc en anglais, on dit surplus. Eh bien, intérêt à Kayotenien. Ou bien l'intérêt qu'ils avaient. Yo by Adam. Ils ont donné ça de leur intérêt, ils ont dégagé. Ça veut dire que. L'argent même, ils n'ont pas encore touché ça. Donc ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas encore touché à l'argent. On dit une année, ou qu'à travail. Donc tu travailles pendant une année. On dit des dépenses. Tu as tes dépenses. Ça veut dire qu'on dit, c'est le cas où il y a incomes. Donc tu as tes rentrées d'argent. On dit une rentrée d'argent, et puis on dit dépenses. Et tu as tes dépenses. Oui. Et puis, l'on garde toutes tes dépenses. Et donc quand tu regardes à toutes tes dépenses, ou qu'on reconnaît que toutes tes dépenses sont payées avec une surprise. Et donc tu vois que toutes tes dépenses ont été payées et qu'il te reste un surplus. Ou bas, Abin, santé.
vas tenir. Donc tu as donné de ce que tu avais déjà. Est-ce que ça a touché au même? Est-ce que ça t'a touché? Hein? Non. Ouais, comment les gens regardent quand même? Donc vous voyez comment ces gens la donnaient. Et bien souvent, nous voulons, c'est là nous arriver dans ce stade-là pour nous parcourir. Et bien souvent, nous attendons d'être arrivés à ce stade-là pour nous donner au Seigneur. Mais qui ça pour Dieu vraiment qui prend plaisir? Mais dans quoi vraiment Dieu prend plaisir? En traduction. Donc je vais dire. For they give a tiny part of their surplus. Car ils ont donné une infime partie de leur surplus. But she, poor as she is, mais elle, pauvre comme elle est, she gave everything. Elle a tout donné. Truly I tell you, this poor widow has put more than all the other into the treasury. Vraiment, je vous le dis que cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres trésors. Yoba a de souplice. Eux, ils ont donné de leur surplus. Mais madame Yoba, tout ça était resté pour vivre. Mais la veuve a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Donc, deuxième là qui a dit. Donc, le deuxième point qui dit. Est-ce que vous avez all of your living? Est-ce que vous donnez? Est-ce que vous donnez de tout ce qui vous reste pour vivre? Ça, c'est le cas, madame. Ça, c'était le cas de la dame. Où est la différence là? Est-ce que vous voyez la différence? L'homme paye des souplices. Ils ont donné de leur surplus. Mais l'homme paye tout ça a été mis pour vivre là. Mais elle, elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'on donne? Comment est-ce qu'on donne? Luc 21. Regardons Luc 21. Verset 1 à 4 pour aller vite. Verset 1 à 4 et je lis. Au grâce de l'homme. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trou. Mm-hmm. Il vit aussi une pauvre veuve qui lui mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le trou. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. J'ai quelque chose de différent dans la Bible anglaise. Verset 4. For all these have of their abundance cast into the offering of God. Car tous ceux-là ont donné de leur superflu dans le trône du, de Dieu. But she of her penury have cast in all the living that she had. Mais elle, de tout son nécessaire, a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Version de la King James, verset 4, qui dit nous, yo tout tes bas pour bon Dieu. Donc, verset, dans la version King James, nous dit que tous ont donné à Dieu. À superflu. De ce qu'ils avaient de superflu. À Dieu. À Dieu qui l'ont donné. Mais, femme là-bas, tout ça a été mis pour vivre. Mais elle, elle a donné tout ce qu'elle a fait pour vivre. Et ça, c'est là que nous avons remarqué. Bon Dieu, pas qu'à miséreux, paye à l'abondance. Et c'est là que nous voyons que Dieu n'évalue pas les dons par l'abondance. Quand vous donnez à Dieu, c'est pas miséreux qu'on paye là qu'à gagner. Et ce n'est pas la quantité que vous lui donnez qui vous donne. Mais il regarde à votre cœur. Valeur sans paille là. La valeur de ce que vous lui avez donné. Vous pouvez payer 50 000 par superflu. Vous pouvez lui donner 50 000 de votre superflu. Oh, putain, il y a mon nom au seul sang et on a pu vivre et ça fait tout bien. Peut-être que quelqu'un a 500 euros simplement pour vivre et que c'est tout son bien. Et regardez pour Dieu, mais plus valeur parce que 100 euros t'as à venir. Et il voit que Dieu a plus de valeur que ces 500 euros. Qui ça, ça y est, pour mettre papa et pour Dieu. Et regarde, mais qu'est-ce que cet argent pour que je ne puisse pas le donner? Oh, n'aille pas pour Dieu. Et donc je vais le donner à Dieu. Tout ça, même pour vivre, n'aille pas lui. Tout ce dont j'ai pour vivre, tout ce que j'ai pour vivre, je vais le lui donner. Ça, c'est un sacrifice. Et ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est une manière pour toi. Et ça, c'est une façon. Est-ce que l'on est capable pour Dieu? Est-ce que lorsque tu donnes à Dieu, tu as senti ça qu'a fait mal? Est-ce que tu sens que ça te fait mal? Alléluia! Alléluia! Est-ce que lorsque tu donnes à Dieu, tu as choisi le meilleur pour ma vie? Est-ce que tu choisis le meilleur pour lui? Oh, bien souvent, on n'est pas capable pour Dieu. Et souvent, quand nous donnons à Dieu, ça nous parle.
pasteur prédicateur, on n'aime pas, c'est celui qui parle de donner. Woo! Parce que pour donner, il y a un problème. Comment nous capables pour Dieu? Comment donnons-nous au Seigneur? Comment nous voulons que Dieu bénisse nous? Comment voulons-nous que Dieu nous bénisse? Lorsque ça nous capaille là, de laisser des superflus. Lorsque ce que nous lui donnons, la plupart du temps, vient du superflu. Mais nous pas capables, vous savez, l'union va laisser tout ça où il peut vivre. Quand vous avez quelque chose et c'est tout ce qui vous reste pour vivre, ça veut dire que vous êtes accroché à tout état. Ça veut dire que vous vous accrochez à cette chose-là. Il a fait partie de vous. Ça veut dire que cette chose-là fait partie parce de vous-même. Parce qu'on a senti sous perdu ou pas vivre encore. Parce que ça vous dit que si vous perdez cette chose, vous ne pourrez plus vivre. C'est ça mon Dieu gagné. Et c'est ça que Dieu a. Wouh! Alléluia! Maintenant là, pour Dieu gagné, c'est tout ça interdit pour vivre. Il m'a dit côté. Bye bon Dieu. Donc moi, mais lui. Donc la dame, il a vu que tout ce qu'elle a, la dame, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a donné à Dieu. Et c'est pour ça que j'aime Luc. Parce qu'il y a beaucoup de monde là qui a parlé de bail à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que lorsqu'on parle de donner à Dieu, ils ont qu'à croire ce bail au pasteur. Ils pensent que c'est pour donner à un pasteur. Amen. Changez de Jésus-Christ, oui, prenez-vous. Et regardez, Jésus-Christ les a repris. Donc, l'ami des voleurs aussi. Donc, là aussi, il y a des voleurs. L'ami des mauvais terres aussi. Il y a beaucoup de mauvaises terres. L'ami des terres qui mis des piles aussi. Des terres qui ont aussi des épines. Mais il dit pour garder l'eau qu'a planté, mais nous, à qui terre qu'a planté. Mais il faut regarder quand vous plantez votre semence, en quelle terre vous la plantez. Mais si vous plantez un autre terre qui mis des piles, nous passons mieux pour ne pas récolter. Mais vous savez que si vous la plantez dans une terre épineuse, vous n'allez pas récolter. Mais il ne pas parler de pas, non. Il parlait de. Mais il n'a pas parlé de donner aux hommes, mais il a parlé de donner à Dieu. Donc, certainement, non, il ne faut pas payer, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire ci. Donc, j'entends certaines personnes dire qu'il ne faut pas payer de la dîme, il ne faut pas donner, il ne faut pas faire ceci. Et même ces noms qui ont comme ça, bon, faire un offrande pour moi, parce que si vous bénissez l'homme, on y a, on y est béni. Mais ces mêmes personnes vont dire, faites une offrande pour moi, parce que si vous bénissez l'homme de Dieu, Dieu va vous bénir. Où est-ce que ça, c'est ce qu'a dit à bon Dieu qui a parlé. Et donc Dieu parlait de ce type de personnes. Donc, quand parler, tu parles à bon Dieu. Comment il y a au capable pour bon Dieu? Je parle de donner à Dieu. Comment est-ce que vous donnez à Dieu? Sacrificially, troisième. Donc, troisième point, ça. What you have the most. De façon sacrificielle, ce que vous aimez le plus. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on capable de manière sacrificielle? Est-ce que vous donnez de manière sacrificielle? Est-ce qu'on capable ça aimer plus là? Est-ce que vous donnez ce que vous aimez le plus? Ouais. Vous savez, il y a le monde qui n'est pas capable. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Parce que si moi fais un bon mon nom cadeau. Parce que si je prends le temps d'offrir quelque chose à quelqu'un, ma capaille au monde, ça m'a aidé. Je ne vais pas donner à la personne ce que je n'aime pas. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Amen. Ça va sortir de Dieu. Ça ne fait pas sortir de votre cœur. Ça sortit de mon bagage qui est bavé. Ça sort de quelque chose dont vous ne voulez pas. Donc il n'y a pas aucune valeur devant mon Dieu. Donc devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Je n'avais pas entendu ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. La différence. Il y a une différence. Là, on nous voit mieux bagaille qui m'a donné. Quand quelqu'un a vu que vous avez quelque chose et cette personne vous demande. Et on nous voit qu'on cachait tout bagaille. Ou bien que la personne voit que vous jetez. Vous cachez ça, mais son bagaille qu'on a mis des vlés. Vous cachez ça, mais. Vous jetez cela, mais c'est quelque chose qui vous plaît. Oui. Donc c'est lui qui m'a donné ou pas lui. Donc c'est cette personne-là qui vous demande la chose et vous la lui donnez. Mais si vous voyez que cette personne a besoin, est-ce qu'on peut chercher ce qui va bon sans pas vrai? Est-ce que vous allez chercher ce que vous ne, ce dont vous ne voulez pas, ce qui n'est pas bon? Est-ce qu'on peut dire bon, même si t'as rien pas dire bon, moi je vais acheter un neuf pour moi, ça m'a enseigné, et bien un neuf à moi. Ou bien vous allez dire, même ce que j'ai n'est pas très bon, donc je vais lui donner ce que j'ai qui n'est pas bon, et je vais acheter un neuf pour moi-même. Et bien c'est comme ça. Manière nous offrir à bon Dieu, c'est comme ça nous allons récompenser nous. Et donc c'est ainsi que la façon dont nous offrons à Dieu, c'est ainsi que nous allons offrir notre récompense. Et souvent nous capables, bon Dieu, ça nous aide. Et souvent nous donnons à Dieu ce dont nous ne voulons pas. Quel bon Dieu nous capte, plus mauvais parce que nous.
Joël a parlé d'une belle, comment il va dire, postiche, acostiche. Donc Lindra a présenté un acostiche, un petit poème. Voilà, voilà, ça veut dire que l'église est qui prend chaque lettre là pour faire petit acostiche. Donc ça veut dire... Il prépare tout seul, c'est pas moi qui m'a dit, c'est pas... Il dit, papa, je vais préparer un acostiche en honneur des enfants. Donc elle a préparé toute seule, et ce n'est pas moi qui le lui ai dit, elle a dit, papa, je veux préparer un acostiche pour les en honneur des enfants, de la part des enfants. Donc elle a appris les premières lettres du mot église, et chaque fois, elle a rédigé chaque verset. Voilà, il fait Tibarelli. Donc nous voyons qui ça l'église pour lui, et qu'a l'église. Et donc pour elle, elle a démontré ce que représente l'église. Déjà mis une vision de qui ça l'église. Elle avait déjà une vision de ce qu'est l'église. Et lorsque nous invitons quelqu'un chez nous, et donc lorsque nous invitons quelqu'un chez nous, lorsque Atea pas balayé, lorsque par terre n'est pas propre, et vous savez qu'il y a des nous qui a fait vite nettoyer, et que vous savez que la personne arrive, vous faites vite de nettoyer. Regardez, respect nous pas du bon Dieu. Et regardez le manque de respect que nous avons envers Dieu. Nous les essuyer, nous lâcher à terre. Parfois nous nous essuyons et nous lâchons le papier par terre. Ça c'est pour ceux qui vont nettoyer, ils vont penser à ça. Ça c'est pour les gens qui nettoient et ils vont s'occuper de cela. Vous pouvez imaginer si on louange comme ça au bas mon Dieu, que pardon qu'à louer ou pas souiller ou pas salir qu'à mon Dieu. Vous imaginez que c'est cette louange que vous donnez à Dieu pendant que vous louez, vous vous essuyez le visage et que vous jetez le papier par terre. Est-ce que nous ne comprenons ça bien? Est-ce que nous comprenons ça? Et bien toutes ces bagages à nos capables mon Dieu, nous pas du respect pour mon Dieu. Mais c'est toutes ces choses que nous donnons à Dieu, nous n'avons pas de respect pour Dieu. Et oui, nous allons nous voir, nous allons pas venir ça comme elle comme elle est chez nous. Donc nous allons voir le premier ministre et nous allons parler comme ça, avec le chewing-gum à la bouche. Non, mais nous pas de respect pour mon Dieu. Mais nous n'avons pas de respect pour nous. Nous pas de respect, nous n'avons pas mon Dieu n'importe quoi. Et nous avons dit que pour Dieu n'a pas plaisir avec. Nous voulons que n'importe quoi et nous disons que Dieu n'a pas plaisir à ces choses-là. Dieu pour Dieu qu'à nous garder pour quand même. Mais donc Dieu vous dit gardez le pour vous. Ne me donnez pas n'importe quoi. Pas ça qui t'a sorti un cœur qui prend. Donnez-lui ce qui sort de votre cœur et qui est propre. Mais c'est ça Dieu qui t'a demandé. Moi je me demandais mais pourquoi Dieu t'a demandé Abraham son fils. Et donc je me demandais pourquoi Dieu devait demander à Abraham son fils. En Genèse chapitre 22 verset 1 à 13. Dans Genèse 22 verset 1 à 13. Amen. Abraham a attendu 100 ans pour fonder ma maille. Abraham a attendu 100 ans avant de faire un enfant. Vous attendez 100 ans avant que Dieu vous donne un enfant. Vous savez que c'est un miracle. Vous savez que c'est un miracle. Vous craignez qu'il n'y ait pas de deuxième miracle. Et vous craignez qu'il n'y ait pas de deuxième miracle. Et pour Dieu, Kamadon, même si vous êtes un sacrifice. Et Dieu vous demande cet enfant-là à un sacrifice. Dieu est fou. Mais tu es fou. Ou pas une bonne tête. Tu n'as pas de la bonne tête. Mais c'est tout ça qui a été pour vivre. C'est tout ce qu'il veut. Mais si vous connaissez l'histoire. Et si vous connaissez l'histoire. Abraham déjà gardé pour serviteur lien. Abraham gardait déjà son serviteur. Pour hériter bien. Pour pouvoir hériter de ses enfants. Parce que c'est ton bon homme. Parce que c'est un homme bien. Et maintenant, bon Dieu t'a donné l'héritier. Et maintenant, quand Dieu lui donne un héritier. Et bon Dieu t'a dit non. Et Dieu lui dit non. Premièrement, il a fait tirer Ismaël avec vrai aller. Premièrement, il m'a déjà fait rejeter Ismaël. Ismaël pas là pour m'aider. Ismaël n'est pas là pour éviter de lui. Pour rester me chasser. Il m'a déjà fait me chasser. Et maintenant, l'homme que tu m'as donné. Pour qu'il me sacrifie. Tu me demandes de le sacrifier. Donc, comment on va me sacrifier? Mais comment est-ce que tu penses que je vais le sacrifier? Pour moi, nous sommes capables de manger. Comment est-ce que nous devons? Et même Dieu qui a demandé ça nous mis à Dieu nous aimer de plus. Dieu nous demande ce que nous avons dans le cœur, ce que nous aimons le plus. Est-ce que nous sommes capables de Dieu, ça nous aime plus là? Est-ce que nous donnons à Dieu ce que nous aimons le plus? Oh, et pas toujours facile pour demander ça aimer plus. Ce n'est pas toujours facile de donner à Dieu ce que nous aimons. Oh, et pas toujours facile. Là, le bon Dieu dit nous casser, et même casser, comment on va dire ça? On est pas là et pas pour Dieu lui. Ce n'est pas toujours facile quand Dieu nous demande de casser le compte épargne pour pouvoir lui donner. Je donne, tu sais, Seigneur, tu as fait une erreur. Alléluia. Mais qu'a croyé si il finit de l'autre monde. Et je crois que si tu le dis à quelqu'un d'autre. Peut-être mon enfant l'erreur. Peut-être que cette personne a fait une erreur. Mais souvent, pour Dieu qui a parlé par nous-mêmes. Mais Dieu parle, nous parle vraiment souvent. Mais il parle par nous-mêmes. Et quand il
Applaudir la mer. Alléluia. Comment donnons-nous à Dieu? Quatrième. Costly or worthless. Coûteux ou sans valeur. Oui, ça c'est travail nous délai. Ça c'est notre travail parfois. Est-ce que nous capables de Dieu un bagage qui t'a coûté nous beaucoup et bien un bagage qui sans valeur? Est-ce que nous donnons à Dieu quelque chose qui nous coûte beaucoup ou bien qui est sans valeur? Oui. Amen. David said, I will not offer burnt offering unto the Lord my God of that which doeth cost me nothing. David a dit, je n'offrirai pas d'holocauste à l'Éternel mon Dieu de ce qui ne me coûte rien. Amen. Et nous avons dit, nous avons dit, béni comme David. Qui est-ce qui aurait aimé être béni comme David? Amen. 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 David, c'est un homme qui béni, frère. David était un homme qui était vraiment béni, mes frères. Bon Dieu. Après le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme t'a raté sa combat spirituellement. Comment il a aimé combat spirituellement? Cet homme-là savait combat spirituellement. Qui est-ce qui aurait aimé combat spirituellement pour lui? David ne perdait pas un combat. Donc, ça, c'est un homme qui s'accoumait. Donc c'est un homme qui savait se battre. Qui était béni. C'est un homme qui était béni. Mes amis. La Bible qu'a fait le savent. La Bible nous dit. Eh bien, major David. Donc David. Alléluia. Il vivait dans la vie. Il était arrivé à un point de sa vie. Il allait dénombrer peuple Israël. Qu'il a été dénombré le peuple d'Israël. Bon, Dieu n'a pas demandé pour faire ça. Dieu ne lui avait pas demandé de faire cela. Et l'homme a décidé d'aller dénombrer peuple la parole. Et il avait décidé de le faire par lui-même. Et bien, bon Dieu a commencé à veiller. Amen. Comment on va crier ça? Plaie dans les mamans là. Et donc Dieu a commencé à envoyer des plaies sur les enfants. Et laisse ça tomber dans le peuple d'Israël. Et donc quand c'est tombé sur le peuple d'Israël, mon Dieu, c'est mon âme commencé à mourir par milliers. Les gens commençaient à mourir par milliers. Ah, serviteur de Dieu est venu dire David. Le serviteur de Dieu est venu dire David. David, où ça vous sacrifier pour venir pour faire un sacrifice? Tu sais ce qui doit se faire, tu dois faire un sacrifice. Avec misé allé. Et donc il est parti. Avec il a acheté le champ de Jephté. Il a été acheté le champ de Jephté. Il est arrivé, il gardait, il dit moi brisé, champ-là pour moi offrir un sacrifice. Il a regardé, il a dit j'ai besoin de ton champ pour faire un sacrifice. Misé dit moi pas où ça. Il a dit je te le donne. Mais oui, moi qui pas où tout. Je te donne tout. Et là bas même c'est bois. Et je te donne même le bois. Vous comprenez? Parce que monsieur, c'est là, il était en presse et c'est là qu'il a pressé toutes les vins. Et donc, parce qu'il avait une presse et c'est là qu'il pressait tout le vin. Tout les vins, tout le bagaille. Tout le vin, tout ce qu'il avait. Tout ces bois, toutes ces bagailles-là, les histoires, tout ça qui était là pour faire du vin. Tout le bois, tous les ustensiles, tout ce qu'il avait là pour pouvoir faire le vin. Comme ça, normalement, dit, mon cabaoui, tout pour faire le sacrifice pour mon Dieu. Il a dit, je te donne tout pour que tu puisses offrir le sacrifice. Comme ça, lui-même, normalement, j'apprête. Non, non, je n'ai pas travaillé. David, je n'ai pas travaillé. David l'a trouvé en train de travailler. Il m'a même dit, mais comment est-ce qu'il travaille? Mais il n'a même pas dit, mais comment vais-je faire pour travailler? Non, il dit, mon capable, tout ça. Il a dit, je te donne tout cela. Ah. Et c'est tout. C'est le prophète-là qui t'a envoyé David là. Et donc, le prophète qui a envoyé David. Moi, pour lui, il a dit, ah oui. Mon Dieu savait que c'était un sac pour rien. Vous et moi, peut-être nous aurions dit, mais Dieu savait qu'il aurait donné tout cela pour rien. Mais oui, mais mon Dieu était un sac pour rien. C'est pour ça qu'il voyait. Voilà. Dieu m'aurait donné ça pour rien, donc c'est pour ça qu'il voulait pour ça. Nous allons faire un sacrifice pour rien. Nous allons courir, nous aurions pris cela et offrir le sacrifice à Dieu. Mais oui. Mais qu'est-ce que David dit? Mais qu'est-ce que David a dit? Ma caille poigne à la main parce que mon table offert mon Dieu mon sacrifice. Je ne vais pas le prendre de tes mains parce que je ne veux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûtera rien. Vous et moi, peut-être nous l'aurions pris. Et nous devons offrir un sacrifice pour mon Dieu. Et nous aurions offert un sacrifice à Dieu. Tu aurais payé comment pour lui? Mais comment tu aurais payé pour cela? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, David dit, dis-moi qui prix il vaut. Et donc David lui a dit, combien vaut? Dis-moi quel est le prix. Il a dit le full price.
et en français, en anglais, a dit le prix au comptant. Ça, ça veut dire que je ne veux pas venir ou venir à la promotion. Donc ça veut dire que je ne veux pas une promotion. Non. La vraie valeur. La vraie valeur. Vous savez, vous avez une promotion, tout le monde content. Vous savez que tout le monde est content. Sur 50%, 60%. On fait des affaires à 50 à 60%. Hello l'église. Eh bien, bon Dieu, pas bon Dieu, qu'il a accepté l'offre by à la promotion. Et donc, Dieu n'aime pas les choses en promotion. Amen. Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Paye, prière, c'est fort pour sentir ça, t'as fait mal là au capé. Il faut que tu sentes que ça te fait mal quand tu le payes. Why? C'est ça, bon Dieu, t'as gagné. Regardez, why, pour moi, il fait ça. Dis-moi. C'est ça que Dieu regarde. Et donc je vais dire, mais pour moi, c'est pour moi qu'il a fait cela. Dites-moi. Dis-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Sous qu'il fait temps, voyez un bagage par mon ministre. Si vous allez prendre le temps d'envoyer quelque chose à un ministre. Ou qu'il parle dans un magasin, quand il parle qui parle coûte rien, qui a les soldes ou acheter 3 pouces. Ou acheter combien de pouces de les 50%, 70%. Est-ce que vous allez aller dans un, vous auriez été dans un magasin où 50%, 60%, quelque chose qui n'a pas de valeur? Vous pouvez parler. Et vous allez la lui donner? Si vous l'invitez chez vous. Si vous l'invitez chez vous. Pourquoi il faut une manière pour y manger pour un bon viande? Vous allez faire en sorte qu'il mange un bon repas, une bonne viande. Bon, on va chercher n'importe quoi et puis. Ou bien vous allez chercher, vous allez chercher n'importe quoi. Un poulet qui est dans les sols et qui tourne, il blé, il se catégorise, c'est ça va être pareil. Ou bien un poulet qui est bleu, qui était en promotion. Dis-moi la gueule. Dites-moi quelque chose. Ou même pas même voulez manger ça. Peut-être que vous-même, vous ne voulez pas manger cette chose-là. Hello l'église. Et bien ça fait pour montrer l'état manière nous capable bon Dieu. Et donc ça c'est pour vous montrer l'état de ce que nous donnons nous au pas, Seigneur. Nous pas capable bon Dieu bagaille qui vraiment sont en chair nous. Nous ne donnons pas au Seigneur des choses qui sont vraiment dans notre cœur. C'est ça qui sort en chair, c'est ça au pire et meilleur. Vous savez que ce qui sort du cœur c'est ce que vous aimez le plus. Waouh. Et moi, je ne peux pas prêcher par moi, je ne pratique pas. Et donc, je ne prêche pas ce que je ne pratique pas. Et moi, je défends l'église à dire non. Et je défends à qui que ce soit d'être mesure de mon côté. Parce que vous me connaissez. Les mecs qui durent mon bagage, c'est parce qu'elles n'ont jamais dit en pratique. Si je vous dis quelque chose, c'est parce que je l'ai dit jamais. Et si ma salle m'était en pratique, je ne peux prêcher. Et donc, si je ne peux pas le mettre en pratique, je ne vais pas prêcher. Donc, Samy, pour Dieu te reconnaître pour ça. Donc, c'est important. Mes amis, le Seigneur l'avait reconnu pour cela. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. La vie des erreurs que nous avons fait. Il y a des erreurs que nous commettons. Lorsque error in making vows without thinking before we give to God. Erreur commise en faisant des vœux sans réfléchir avant de porter son offrande à Dieu. Vous savez, nous avons l'eau, nous avons loué et oui. Beaucoup d'entre nous font beaucoup d'erreurs. Seigneur, nous puissions garder mon Dieu. Nous puissions mon Dieu fondamental. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose, simplement demandez au Seigneur. Pourquoi vous faites vœux? Pourquoi faire des vœux? Avec les vœux, vous faites vœux, les mon Dieu bénit, nous avons trop bien. Et quand vous faites les vœux, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous a béni, vous voyez que c'est trop beau. C'est trop beau, oui. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. C'est facile de dire ça, hein? Et bon Dieu a fait parce que bon Dieu connaît pour une belle bagaille. Et donc Dieu va le faire parce qu'il sait que nous aimons de belles choses. Seigneur, si tu veux bénir ton travail, je vais te donner les premiers pays. Mais quand bon Dieu bénit les premiers pays là. Mais quand le Seigneur te bénit avec la première paye. Tu dis, Seigneur, j'ai tellement de problèmes parce que voilà les problèmes. Il va saisir mes biens, etc. Comme par hasard, ce jour-là, il y aura vos prières pour qu'il y aura saisi. Et donc, vous allez voir qu'il y a tellement de problèmes. Seigneur, j'ai tellement de problèmes. Et comme par hasard, vous allez voir qu'un jour, on va vous envoyer le courrier. C'est ce même jour que vous recevez un courrier pour qu'il y aura vous saisir. Seigneur, moi prochainement, deuxième pays. Donc, il y aura beaucoup de choses. Donc Seigneur, mois prochain, la deuxième paye, je vais te la rembourser. Ou pas respecter l'engagement. Tu n'as pas respecté tes engagements.
où j'ai prié ou t'es fait aux paroles avec mon Dieu. Tu as déjà oublié que tu avais fait un vœu avec Dieu. Donc nous allons lire rapidement. Juge 11, 29. Juge 11. 29 à 36. Quel est ça? Juge 11, verset 29 à 36. À 36. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitspé de Galaad. Et de Mitspé de Galaad, il marcha contre les fils d'Amon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit : si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira les portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephté marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il le fit éprouver une grande défaite depuis Aroer jusqu' vers Minit, espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Abel-Keramim. Les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants de l'Éternel, devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit : ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit : mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père : que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Et je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit : va. Et il la laissa libre pendant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Et au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galaadite, 4 jours par année. Wow. Il y a un danger, l'offre pour bagaille du bon Dieu. Il y a un danger quand vous souhaitez quelque chose de Dieu. Et vous faites un vœu avant. Et quand vous faites un vœu avant. Pas jamais faire vœu. Ne faites pas de vœu. Ne faites jamais de vœu. Non. Demande ce que tu veux. Demandez simplement ce que vous voulez. Qui monde qui te dit, monsieur, fais un vœu? Qui avait dit à cet homme de faire un feu? Seigneur, souviens-moi la victoire. Seigneur, si tu me donnes la victoire. Premier ça qui est sorti de ma maison, me sacrifier là. Le première personne qui sortira de ma maison, je te la sacrifierai. Peut-être qu'il a mis mal avec famille. Peut-être qu'il avait déjà mal de sa femme. Et qu'il a perdu un chien, mais il sacrifie son corps. Et qu'il disait dans son cœur, je vais sacrifier cette femme-là. Parce que cette femme ne me donne pas un fils. Pourquoi il dit premier ça qui sortit en dedans des hommes? Pourquoi a-t-il dit la première personne qui sortit? Et il nous dit là, nous, il n'a pas de fils. Et la Bible dit qu'il n'avait pas de fils. Même
Sa femme n'est pas sortie. On va rester avec la même femme là. Tu vas rester avec la même femme. Au contraire, au cas où il est plus mal. Au contraire, tu seras pire. L'on pas pour Dieu sans pas aimer. Quand tu donnes à Dieu ce que tu n'aimes pas. Au cas où est-ce plus mal pas sortir. Tu seras pire pour pas. Et bien, il perd fille. Et donc, il a perdu sa fille. Il est resté avec la même femme stérile là. Il est resté avec la même il femme. Il n'a rien encore. Donc, il n'a plus rien. Comment travaille pour Dieu? Comment est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce qu'on travaille pour Dieu pour sortir de Dieu? Est-ce que tu lui donnes ce qui sort de ton cœur? Ça ou aimer? Ce que tu aimes. Oh là, Jesus. Amen. Si pour Dieu, tu fais un sacrifice. Si Dieu te dit de faire un sacrifice. Pour sauver cette église. Pour pouvoir sauver cette église. Pour sauver l'église. Pour sauver ton église. Quel sacrifice ou prêt à faire? Quel sacrifice es-tu prêt à faire? Premièrement, nous cacadons. Missièrement, Kaïdaïla, à moi. Et premièrement, on va dire à cet homme-là que je vais donner mon argent. Échangez bien Jésus-Christ dit à Luc. Mais rappelez-vous que Jésus l'a dit dans Luc. Ils étaient venus pour pas pour bon Dieu. Ils étaient venus donner à Dieu. Les femmes là dans toute la vie. Et les femmes, la femme a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia, mais Jephthé était dans ça. Et Jephthé donc avait cela. Il a sacrifié Timanaï. Et il a sacrifié son enfant. Et il a dit, vous faites moi honte. Et il a dit, tu m'as fait honte. Est-ce que vous avez dit ça bien? Est-ce que vous avez lu cela? Vous faites moi. Oui, ça. Tu m'as fait honte. Ça veut dire que la vie, beaucoup de nous, nous capables de nous dire qui est précieux. Beaucoup d'entre nous, quand nous donnons au Seigneur quelque chose de précieux, nous peur rester honte. Nous avons peur d'avoir honte. Nous peur. Nous étions honte. Nous avons peur d'avoir honte. Mon Dieu nous offre comme sacrifice. Le Seigneur a dit, offre-leur en sacrifice. Mais Seigneur, si on saisit tout ça, moi bien. Mais Seigneur, si on saisit tout ce que j'ai. Mon cœur dit, moi pas une bonne tête. Les gens vont dire que je suis folle. Ah ou enrichi pasteur, vous pouvez le saisir. Tu as enrichi le pasteur et tu as laissé les gens. Ah ou enrichi ce monde, vous pouvez le saisir. Tu as enrichi ces personnes-là et tu as laissé les gens te saisir. Moi qui honte. J'aurais honte. Donc moi qui garde ma émoi. Donc je garde ce que j'ai. Mais Seigneur, mon nom bénis-moi. Mais Seigneur, je veux que tu me bénisses. Nous allons chercher ça, nous pas aimer. Nous allons chercher ce que nous n'aimons pas. Ça qui m'aime. Ce qui est maigre. Ça qui est boiteux. Ce qui est boiteux. Ça qui est laid. Ce qui est laid. Ça qui est tacheté. Ce qui est tacheté. Et c'est ça que nous voulons pas bon Dieu. Et c'est ce que nous avons. Et nous voulons Dieu bénir nous. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Mon bon Dieu. Donne à Dieu. Mais bon Dieu va bénir-moi. Mais Dieu ne me bénit pas. Mon cadeau petit bagage. Je vous dis quelque chose. Dieu attend de l'aide au bali au-delà des limites nous. Dieu attend parfois que nous donnions au-delà de nos limites. Nous avons parlé de l'église primitive, Et nous parlons beaucoup de l'église primitive et nous ne voyons rien parce que nous ne sommes pas comme l'église primitive. Mais eux, ils donnaient au-delà de leurs limites. Est-ce qu'on entend ça bien? Amen. Nous connaissons qui j'aimais maintenant qu'il n'y a pas bon Dieu. Combien de nous avons déjà vendu une maison et donné l'argent à Dieu? Nous connaissons qui j'ai fait un lot de bagages. Combien d'entre nous avons déjà fait beaucoup de choses? Et pour eux, ça n'a pas été rien. Et pour eux, ça n'était rien. Nous, comme un caillou, c'est comme si Dieu c'est sa frère ou sa sœur. Et combien d'entre nous, chez nous, c'est comme si c'était nos frères et nos sœurs. Là, les gens, là, où tu caillou, ils n'ont pas même voulu assis dans les fauteuils. Et il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, ils ne veulent même pas que tu s'asseyes sur leur fauteuil. Pas assis dans les fauteuils, oui. Ne t'assieds pas sur mon fauteuil. Pour blâmer un homme qui est malheureux. Il y a des gens qui sont malheureux. Parce que nous connaissons le monde. Amen. Le homme la rivière qui caille pour un petit risque. Ah ouais, la fauteuille, moi, on va travailler pas toi. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient le pauvre homme, quand il sort du travail, il arrive, il va s'asseoir sur le fauteuil et on lui dit, ah non, c'est pas sur mon fauteuil quand tu vas t'asseoir. Avec une petite salle. Nous adorons ça. Nous adorons cela. Amen. Nous parlons. Nous avons un homme minable. Et on rend l'homme minable. Regardez ça bien. 2 Corinthiens 8. Donc on va terminer. 2 Corinthiens 8. Alléluia. Verset 1. Verset 1. À 4. Lis. 1 à 4. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libertés de leur part. Où tu ça? Pendant qu'ils étaient pauvres, ils ont produit ça? Pendant qu'ils étaient pauvres, qu'est-ce qu'ils ont produit?
avec la communion. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde en produit d'abondante, avec abondante, des riches libéralités. Des riches libéralités. Ça veut dire que même si on était pauvre, ça veut dire que même si c'était pauvre, mon anglais, il y a des cartes au-delà. Et en anglais, ils disent qu'ils donnaient au-delà. Toute libéralité. Ça veut dire qu'il y a pas de gagné. C'est parce que, alors, parce qu'on est pauvre, on va s'en avoir derrière. Est-ce que c'est parce que tu es pauvre que tu ne peux pas donner à Dieu quoi que ce soit? Moi, pauvre, ma sœur d'ailleurs, moi, pauvre. Je suis pauvre, je ne peux rien lui donner. Vous avez toujours été pauvre. Tu vas toujours rester parce pauvre. Parce que vous-même, quand tu dis qu'on est pauvre, parce que toi-même, tu confesses, je suis pauvre, je ne peux pas. Ça veut dire que ou pauvre, ou être tellement pauvre, ou pas ça même planter pour récolter. Donc tu es tellement pauvre que tu ne peux même pas planter pour récolter. Comment est-ce que tu vas récolter? Comment est-ce que tu vas faire pour récolter? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons fini. Mm-hmm. À nous aller. Quel ça? Ils ont, je l'atteste au verset 3, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Tout ça dit, il y a un moyen qui me dit, selon leurs moyens et puis au-delà de leurs moyens. Amen. Malgré de là, nous avons des moyens, nous. Mais des parfois, on peut donner selon nos moyens. Malgré pas ça, nous passons même pas au-delà des moyens, nous. Parfois, nous ne pouvons même pas donner au-delà de nos moyens. Parce que ça nous fait trop mal. Parce que ça nous fait trop mal. Moyens nous arrivent à dire nous. Nos moyens arrivent à notre dîme. Un petit 10% qu'on est capable de nous donner. Un petit 10% que nous passons même pas les 10%. On ne peut même pas donner les 10%. Donc, ça fait nous mal pour nous donner 10%. Ça, on sent qu'on a mal de lui donner 10%. Donc, si vous passez à pas donner 10%, vous pouvez s'en va vous. Donc, si vous ne pouvez pas donner 10%, vous pensez que vous pourrez donner au-delà de vos moyens? Faut un petit bisou pendant un petit moment. Voilà. Ça fait mal. Donc ça fait mal. Mais c'est pour bien nous. Mais c'est pour notre bien. Parce que nous passons par mon Dieu. Nous faisons tout ça. Nous pas vrai pour nous bailler. Parce que nous ne pouvons pas donner au Seigneur. Donc nous cherchons toutes sortes d'excuses pour ne pas lui donner. Est-ce que nous allons chanter? Arrêtez de bailler comme pauvre limite. Arrête de te donner des limites aux pauvres. Parce que si vous baillez comme pauvre limite, c'est là où il vient. Donc
Donc si tu te donnes des limitations pauvres, c'est là que tu vas arriver. Regardez Luc 6, 38. Regardez Luc 6, verset 38. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Mm-hmm. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. C'est ça qu'il a dit? Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez. Aïe aïe aïe, Dieu nous dit au même qui n'a pas oublié tout. Donc c'est toi-même qui te donne des limites. Ou plante, ou carré par des sangs ou plante, gardez fort Lisa. Vous regardez votre frère, tu récoltes ce que tu as semé. Gardez Lisa, dis-lui ou carré par des sangs s'il te plaît. Dis-lui où tu as récolté. Touche-le Lisa. Touche-le et dis-le-lui. Dis-lui où tu veux plus de récoltes. Tu veux plus de récoltes. Plante plus. Plante plus. Nous avons nos limites. Nous nous donnons des limites. Amen. Tout le monde a dit pas pour mon Dieu. Nous avons dit que toi, il faut t'attaquer sur la règle. Donc à chaque fois qu'on nous dit donne au Seigneur, on aura mon cœur et que lui en fait nous la lâcher. Vous avez dit que vous limitez tout. Donc vous-même, vous mettez vos limites. Mais la carte, il est que pour Dieu son grand roi. Réfléchissez quand Dieu est un grand roi. Il est un Dieu qui n'est pas pauvre. Il est un Dieu qui n'est pas pauvre. Alors l'on paye pour Dieu. Et quand vous donnez à Dieu. Plus qu'on paye pour mon Dieu. Plus on va lui donner et lâcher l'espace. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais elle a vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Fils bien-aimé. Son Fils bien-aimé. Pour Dieu qui a donné nous, ça qui plus cher de lui-même. Dieu lui a donné ce qui lui était plus cher. Et comment pas que pour Dieu qui a accepté à l'amener nous des choses médiocres qu'elle nous parlait. Et vous pensez que Dieu va accepter de nous mettre des choses médiocres dont nous ne voulons pas? Nous qu'a fait blague. Nous reculons. Oui, nous qu'a fait blague. Nous qu'a fait la fête. Nous rigolons. Bon Dieu pas qu'à accepter ça qui pas lui valait. Dieu n'accepte pas ce qui n'a pas de valeur. Vous voulez bon Dieu accepter sacrifice ou? Est-ce que Dieu, si tu veux que Dieu accepte ton sacrifice? Paye sacrifice ou on valait. Donne à ton sacrifice une valeur. Pas paye bon Dieu sacrifice qui pas qu'à coûter rien. Ne donne pas à Dieu un sacrifice qui ne t'en coûte rien. Parce que pas qu'à y rien. Parce que tu n'auras rien. Au moment de la vie, paye sacrifice là qui te valait. Quand tu t'as vu donner un sacrifice qui avait de la valeur. Tout Amen, prière. Arrêtez tout de suite. Toutes les plaies qui étaient sur le peuple là, se sont arrêtées. Toutes les malédictions, arrêtez tout de suite. Toutes les malédictions se sont arrêtées tout de suite. Toutes les malédictions, arrêtez tout de suite. Tout s'est arrêté tout de suite. Lire les Corinthiens 1 Chronique 21, avant de 20 jusqu'à 27 pour aller. 1 Chronique 21 jusqu'à 27. Nous n'allons pas le lire, mais vous pouvez. Donc on va regarder l'homme de Dieu. 1 Chronique 21 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Il partait pas bon Dieu, bataille qui partait ni valeur. Donc nous voyons que l'homme de Dieu n'avait pas donné à Dieu quelque chose qui n'avait pas de valeur. Non, moi qui a payé pour le prix entier. Il a dit je vais payer pour le prix, pour la valeur totale. Qui sont travaillés bon Dieu? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Ça qui sortit de vous-même. Est-ce que ceci, ce qui sort de toi-même? Eh bien, ça, on monte bas où? Ou bien ce que quelqu'un d'autre t'a donné. David n'est pas couillon parce que c'est un homme là qui a fait sacrifice là, pas David. Parce que David aurait été bien sauf, parce que c'est l'homme qui aurait offert le sacrifice et pas David. Mais il péchait, oui. Mais il a payé cher. Et il a offert à mon Dieu. Et après il a offert à Dieu. Et mon Dieu t'a dit. Et Dieu l'a entendu. Mes amis. Mes amis. Croyez si vous voulez. Croyez si vous voulez.
mais pas à bon Dieu n'importe quoi. Mais ne donnez pas à Dieu n'importe quoi. Temps nous. Notre temps. Talent nous. Nos talents. La vie nous. Notre vie. Quel que soit ça nous cap pas bon Dieu. Quel que soit ce que nous donnons à Dieu. Parlez riche. Donnez-leur avec richesse. Donnez-lui ce qui est meilleur. Give him the best. Donnez-lui le meilleur. Bon Dieu va l'accepter. Et Dieu va l'accepter. Bon, je vous bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-vous pour la prière. Hey! Alléluia! Qu'on a machiné à la Hamda. Alléluia! Peut-être que tu as fait beaucoup d'erreurs dans la vie. Peut-être que tu as déjà commis beaucoup d'erreurs dans ta vie. Ou j'ai mal planté. Tu as déjà mal planté tes semences. Et même peut-être que tu as mangé plus parce que tu as planté. Peut-être que tu as déjà mangé plus que ce que tu as planté. Parce que chaque fois que l'on est pour planter. Parce qu'à chaque fois que tu dois planter. En circonstance qu'a présenté quand il nous vend. Une circonstance se présente. Et au cas garder mon Dieu comme si il n'était pas pouvoir pour circonstance-là. Et tu regardes comme si Dieu ne peut pas pouvoir pour toi dans cette circonstance. Au lieu où tu tiens des paroles de mon Dieu. Alors tu aurais mieux fait de tenir ta parole avec Dieu. Chaque au cas couillé. Encore. Au lieu de faire cela, à chaque fois, tu t'es menti à toi-même. Tu t'es volé toi-même. On n'a jamais accompli ça au début de ta monture. Et tu n'as jamais accompli ton vœu envers Dieu. On a posé comme pourquoi la porte n'est pas ouverte. Et tu te demandes pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Change bien. Rappelle-toi bien. C'est tout ce qu'on veut. Dieu veut tout. Pas non seulement l'argent. Pas simplement ton argent. Mais temps. Mais ton temps. Corps. Ton corps. Tout entier. Tout entier. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Il dit où t'es acheté. Il a dit que tu as été acheté à un prix. You were bought with a price. Tu as été acheté à un prix. Que Dieu te bénisse. Père éternel, roi de gloire. Père éternel, roi de gloire. Me car oui, merci au Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Où c'est pour Dieu nous. Tu es notre Dieu. Et Seigneur, où fait nous examiner bon matin. Et tu nous as permis de nous examiner en cela. Comment nous capables. D'examiner comment nous te donnons. Seigneur, de là nous capables par superflu. Parfois nous te donnons de notre superflu. De là nous capables ça nous parler. Parfois nous te donnons ce que nous ne voulons pas. Nous capables ça nous pas aimer plus. Ce que nous n'aimons pas le plus. Les sacrifices ou des cas agréés. Mais des sacrifices que tu as agréés. C'est ça nous aimer plus. C'est ce que nous aimons plus. Seigneur. Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Pour nous pas où ça nous aimer plus. Afin que nous puissions te donner ce que nous aimons le plus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Pour nous pas où le meilleur. Que nous puissions te donner. Afin que nous soyons l'église qui prospère. Afin que nous soyons une église prospère. Plus prospère. Encore plus prospère. Et que ta gloire, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur. Est manifestée. Puisse se manifester. Nous qui sommes bénis. Nous serons bénis. Yes, nous qui sommes bénis. Nos enfants seront bénis. Yes, yes, nous qui sommes bénis. Nos petits enfants seront bénis. L'église qui prospère. Et l'église va prospérer. Et Seigneur, monde à la tour nous. Et les hommes autour, Seigneur. Et la bénédiction. Feront ta bénédiction. Que Seigneur touche Yeshua. Que Seigneur touche tes enfants. Touche chacun de nous. Touche chacun de nous. Que tes lèvres nous sortent ici. Afin que lorsque nous sortions ici. Laisse-nous retourner ici, Seigneur. Nous retournerons ici, Seigneur. Nous ne payons pas des offrandes qui coûtent. Nous te donnerons des offrandes de prix. Ça nous aimer. Ce que nous aimons. Ça qui nous valait pour vous. Ce qui a de la valeur pour toi. Et Seigneur, mon Dieu, nom qu'il glorifie. Et Seigneur, ton nom sera glorifié. Papa, merci pour chacun de nous. Père, merci pour chacun de nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci Seigneur mon Dieu. Ça qui n'y valait pour vous. Ce qui a de la valeur pour toi. Ce n'est pas ça qui est plus gros. Ce n'est pas ce qui est le plus gros. Mais ça qui est plus cher pour nous. Mais ce qui est le plus cher. Ça qui est vraiment en dedans de nos cœurs, nous désirons. Ce qui est vraiment dans nos cœurs que nous désirons. Et nous aimons. Et que nous aimons. Il peut être plus petit centime, Seigneur. Ça pourrait être le plus petit centime, Seigneur. Tout ça nous dit être cher, nous apprécier. Tout ce que nous avons dans nos cœurs et que nous apprécions. Il peut, Seigneur mon Dieu, le plus petit. Ça pourrait être, Seigneur, le plus petit. Laisse qu'elle nous a offert pour vous, Père. Mais lorsque nous pouvons te le donner, Père, tout ce qu'elle nous était pour vivre, tout ce que nous
nous reste pour vivre. Tu prends plaisir. Tu prends plaisir. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, bénis chacun de nous. Aide-nous à examiner ta parole encore. Aide-nous à encore examiner ta parole. Et couvre chacun de nous avec sang. Et couvre chacun de nous de ton sang. Seigneur, merci pour ces 18 ans. Merci pour ces 18 ans, Seigneur. Tu permets que nous voyons. Tu permets, tu as permis que nous puissions les voir. Des combats, des difficultés. Des combats et des difficultés. Mais nous allons continuer avec vous. Mais nous continuons avec vous. C'est parce que vous aimez nous. C'est parce que tu nous as tenus. Seigneur, bénis l'Église encore. Seigneur, bénis l'Église encore. Bénis l'Église de Nouvelle Jérusalem. Bénis l'Église de la Nouvelle Jérusalem. Aide-nous à avancer. Aide-nous à avancer. Pour aller encore plus loin, Seigneur. Pour aller encore plus loin, Seigneur. Et fais croître. Et fais croître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que le plus grand nombre soit sauvé. Afin que le plus grand nombre soit sauvé. Papa, bénis chacun de nous. Papa, bénis chacun d'entre nous. Aide-nous d'être des leaders exemplaires. Aide-nous à être des leaders exemplaires. Couvre-nous avec sang, Seigneur. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Et agis puissamment. Et agis puissamment. Bénis Yishnou. Bénis nos enfants. Bénis l'Église. Bénis l'Église. Bénis chaque leader. Bénis chaque leader. Et aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. À mettre ta parole en pratique. À mettre ta parole en pratique. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Bénis Yishnou. Je bénis tes enfants. Je prononce la prospérité. Je prononce la prospérité. Je prononce quand ils vont semer en champ. Je prononce que lorsqu'ils vont semer dans ton champ. Permets bien, Seigneur, fructifier. Permets que leur bien puisse fructifier. Permets que leur bien puisse fructifier. Permets que cette plante puisse grandir. Permets que leur bien puisse jaillir avec fruits. Permets que leur grenier puisse surabonder de fruits. Seigneur, mon Dieu, bâille de l'abondance. Donne-leur l'abondance, Seigneur. Quand ils parlent de l'abondance. Quand, alors qu'ils te donneront de leur Seigneur, de l'abondance. Seigneur. Merci. Merci. Bénis de toutes les têtes ici. Bénis tout le peuple ici présent. Tout qui ici, hein. Tous ceux qui sont présents. Bénis au Père. Bénis-les, Seigneur. Nous prenons autorité contre toute malédiction. Nous prenons autorité contre toute malédiction. Tout côté ils ont déjà planté et qui n'a pas levé. Là où ils ont planté et qui n'a pas poussé. Seigneur, permets que tes terres reçoivent de l'eau. Seigneur, permets que leurs terres reçoivent de l'eau. Permets, Seigneur, mon Dieu, ces plantes la pousser. Et permets que ces plantes puissent pousser. Permets bénédiction à sur la vie. Permets que tes bénédictions soient sur leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et pour gloire. Et pour ta seule gloire. Amen. 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 Et amen. Hallelujah.